Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur World of Tanks. Donc avec un nouveau char que je viens de débloquer qui est le T-37. Donc je vais faire un ou deux games avec. Alors il est plutôt bien. Je le préfère déjà au. Comment il s'appelle, le T-21. Déjà il fait plus de dégâts par tir. Et il a un meilleur blindage. Si vous avez le M5 Stuart, prenez le Chaffee et pas le M7. Hein. Parce que le M7 débloque du coup le T21. Et franchement, c'est mieux d'avoir le T37 du coup après le Chaffee. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Après, vous n'êtes pas obligé. Son canon se baisse quand même pas mal. Hein. Alors, il y a le VK28. Hein. Ah, s'il y en a qui savent, c'est quoi la différence entre le KV2 et le KV2R? Dites-le en commentaire, j'aimerais bien savoir. Parce que visuellement, il n'y a pas une seule différence entre les deux. Il y a l'AMD là-bas. Est-ce que je vais... Non. Par contre, il y a un OI. Et le KV2R, du coup. Et un M4 à 3E2. Je sais que le M4 à 3E2, il a un blindage. Légendaire. J'essaie juste de m'avancer. Oh non 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 non. Non non non. Non non non. Ne viens pas sur moi, petit. Non, non, non. Non, non. On n'a pas pénétré le blindage. Bon. J'ai pas réussi à lui infliger de dégâts. En même temps, j'ai pas pris le temps de viser. C'est pas grave. Par contre, là-bas, il y a un VZ. Un W. Z. Alors, on est en train de gagner déjà. Hein. 11-2, j'ai fait 0 kill. J'ai rien infligé du tout. Mais c'est pas grave. Ah non. Prêt à faire feu. On a perdu la cible. Mais non, mais vous êtes sérieux. Bon, je vais m'attaquer au chasseur de chat. Trop vite. Ah, il en reste un. Ah, j'avais pas capté. C'est un T-34-85M. Mais c'est déjà, s'il est là encore là, c'est pas logique. Donc, moi, je pars de l'autre côté. Par contre, il roule pas super vite. Hein. Si vous voulez faire un travail de détection passive, en fait, vaut mieux prendre le T-21. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la détection active, du coup, il faudrait prendre le T-37. Mais pour de la détection passive, prenez le T-21. Enfin, du coup, il faut prendre le M7, puis avoir 48 000 XP. Non, quand même pas. 20 000. T-37 qui coûte 910 000... ça fait un peu hein. Je venais juste d'avoir 1 million de pièces, j'ai tout consommé. Ah, ils l'ont détecté. Non, non, ils sont allés cap. Bah
J'ai pas pu faire la meilleure game pour montrer ce char. Une partie quand même finie en 5 minutes. C'est pas beaucoup, franchement. Bon, on va essayer d'en faire une deuxième. En essayant de survivre, ce serait bien. Et en étant actif, pas comme là. Rien fait, clairement. Alors, chargement. Ah, j'ai quand même eu 237 XP. Alors que je n'ai rien fait. Ah, mais si, j'ai fait quelques dégâts de détection, je crois. Mais pas grand. Non, j'ai rien fait. Mais je crois quand même que j'ai fait de la détection. Alors, est-ce qu'il y a le tir direct? Alors, est-ce que j'ai fait quelques... Sérieusement. Dégâts pour avoir endommagé des alliés. Parce qu'à la fin, j'ai tapé le P43, je crois. Distance parcourue 2 km ou 2 mètres, parce que 1 mètre c'est petit. Donc on va faire une deuxième game. Ce magnifique T37. Franchement, il est joli. Il me reste plus de 90 000 pieds. 82 000. 90 000. Ah, ok, ça va lancer. Et encore le T37, je l'ai pris, mais j'ai utilisé 3000 d'expérience libre. Donc ça fait pas mal d'XP libre en dépense. Bon, j'en avais 3200 à peu près. 3300. Et j'ai utilisé presque toute mon XP. Alors sur cette map, je ne sais jamais, mais jamais quoi faire. Genre, je sais pas où aller spot quoi. Moi je suis plus le gars qui campe de partout dans les parties là. Genre, des fois je vais à l'attaque, enfin frontal quoi, mais je perds la moitié de ma vie. Ouais, et je me fais des gom-gom après, donc c'est pas grave. Bon là j'essaie de partir à droite. Ouais. Il est sérieux le P43. Et bah tu sais quoi, tu dis SOS, personne va venir. Non, moi je voulais pas aller par là, je voulais aller par là. Enfin par là, mais par là. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une cathédrale ici. Une cathédrale? Une église? Une fois il y en avait un comme ça, je suis passé devant lui, il m'a tiré dessus. KV13. Donc, en fait là je suis en train de faire de la détection passe. Aïe! Non, ça va, il m'a pas fait grand chose. Bon bah c'était une première sur ce côté de la map. Non, je vais me prendre des tirs. Où sont-ils passés? Mais non. Leur atelier de munitions est touché. Cible acquise. Bon, encore il ne peut pas pour grand chose, mais c'est précieux. C'en est assez. Quoi? On décroche d'ici. Ah ouais, violent. Je suis fasciné par la toile qui a sauté. Ok. J'ai pas capté ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Donc on va faire une petite game avec le M8A1 parce qu'il faut quand même que je débloque le T67. Je veux le T67.
Ce léger chasseur de chats. Alors, M8 à 1. Il me faut 10 000 XP avec, je crois. Mais je peux pas voir l'XP que j'ai parce qu'il y a le truc pour voir la vidéo. Est-ce que je peux cliquer en dessous? Ouais, je peux. J'ai 3 000 XP et il m'en faut 10 500. Je suis pas sortie de l'eau. Par contre, la nuit est vachement longue, je trouve. Mais il y a des chars qui sont. Exemple, la NX40, c'est un char léger, mais je me fais tracer par un char lourd avec. Alors que c'est un léger. Sachant que le char qu'on débloque après roule à une vitesse. La NX-RC10 roule vachement plus vite que la NX40. Il y a un M5 Stuart. Alors, je regarde un peu la composition des équipes. Bon, comme d'hab, je vais spot. Mon record de dégâts par tir, enfin, le record de dégâts en un seul tir que j'ai fait, c'était 500 dégâts par tir. Avec un tir 6. Je m'en souviens, c'était il n'y a pas trop longtemps, c'était avec le KV-85. Sur un Ashorn, je crois. Il lui restait pile d'ailleurs 500 points de structure. Je les dégomme. Et c'était sur ce spot qui était là-bas. À cet endroit que je vise en ce moment même. Et je l'ai mis un tir bien placé dans sa réserve de munitions. Et je l'ai explosé. J'ai quand même fait 500 de dégâts. J'arrive même pas à y croire. Alors que c'est moi qui l'ai fait. Une fois, je me souviens, j'étais en partie, on était presque tous ici. J'étais avec un léger, ils étaient tous là. Après, je m'amusais à essayer de les pousser. J'aurais pu me faire une partie, mais je me suis pas fait une partie. Je me suis amusé à tous les pousser, j'en ai fait tomber un, il a survécu. Oh, ok, non. Des fois, je m'amuse à chauffer les joueurs. Juste pour voir s'ils vont me tuer ou pas. Comme ça, je rapporte. Ouais, je m'amuse, hein. Je suis très gentil. Alors là-bas, il y a un Hetzer. Je peux pas à cause de notre Hetzer. Il est sérieux? Ouais, tu me dis en arrière, moi je vais te mettre en arrière. Mais arrête! Le tir à jour. Allez, tiens, moi tu sais quoi, je te fais comme ça. Ce qu'il va me dire, tu... Non, dommage. J'aurais bien aimé, bien. J'aurais perdu de la vie gratuitement, hein, mais bon. Moi je m'amuse, je m'enjaille. Mais il est sérieux maintenant, il se met là. C'est quoi, j'ai le poussé, moi. J'ai le poussé. Oh, le cabine. Eh ben, je te dis, chef. Meurs, meurs. Crée. Oups. Je vais me faire report maintenant. Bon, moi au moins je me suis amusé. Par contre, je suis sûr qu'il peut se renverser, mais à une vitesse. Des fois, j'ai peur. Hein. Clairement. C'est le Crusader qui a tué le ZSL, le machin là. Aïe! Aïe! Ça pique.
je m'en vais. Ah, mais j'aurais dû rester à mon spot, moi. J'aurais pas dû bouger, j'aurais peut-être pu me faire une petite. Ah, mais il y a le tueur en machin. Je sais même pas que ça existait, ça. Le tueur en 3. Avant. J'ai découvert dans une partie. Totalement par hasard. L'ennemi 40, où était-il? Ah ouais, j'aurais pu me le faire. Konnichiwa. En vrai, je me demande si je tombe. Non. Celui-là n'a pas percé. Ah! Il me vise! Il me vise! Il me vise! Ah, on est encerclé! Oh, mais c'est un tir 6! Ah, c'est pas que c'était un tir 6, la tir 6. On l'a même pas éraflé. Où sont-ils passés? Je m'en si si je tombe, je meurs. Ouais, c'est la deuxième fois que je dis ça, je crois. Le gars, il sait plus ce qu'il a dit. Normal. Alors, le petit AT-8. Vas-tu survivre face à un stock 3G? Franchement, s'il joue bien, il peut large gagner. Enfin, pas le stock 3G. Oh, il y a un autre stock 3G là. Mais il y a des stocks 3G de partout, dites donc. Oh, le stock 3G de retour. Je vise, je tire. Ils sont seulement touchés. Oh, j'aurais pu tirer en fait. J'avais oublié. J'avais pas vu que j'avais rechargé. Parce qu'à la fin, j'ai survécu. Je fais Amélie va comme ça. Amélie va comme ça. Amélie va comme ça. Regardez, je suis prêt. Je suis prêt à appuyer sur l'accélérateur. Vais-je survivre? Ah, c'est pas mal, j'en gagne un. Et il se lève pas mal. Ça, on peut pas dire le contraire. Bon, moi, je vais aller me le farmer. Pourquoi j'ai fait ça? Pilote hors combat, mobilité restreinte. En vrai, je peux descendre. Et j'ai survécu. Ouais, j'ai survécu. J'allais dire peut-être. Mais ouais, j'ai survécu. Mais c'était pas facile. Hein. Ouais, sauf que maintenant, je roule plus. Enfin, je roule, ouais, mais à 2. À 10 plutôt. Ils sont en train d'aller noyer la T8 là, c'est pas bien. On vous a jamais dit qu'il fallait pas faire ça à la piscine. Oh non! Et ben, hop! Plouf! Cassons-nous, c'est fini! Je suis tombé dans l'eau, mais j'ai fait une chute. Donc en fait, mon véhicule allait. Ah, c'était pas fini! Je suis bête! J'avais oublié qu'il restait le crossover. Moi j'ai fait. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo de 20 minutes sur World of Tanks. On va attendre les 20 minutes, il reste 20 secondes. Voilà. Elle va faire pile 20 minutes la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo courte, longue, je sais pas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter
Et surtout, à vous abonner.